Bienvenue sur le plateau de ETV Service, l'émission qui vous rend service, qui vous dit exactement ce qu'il se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous donner le programme du mois de décembre, les amis, parce que oui, les vacances arrivent très vite. Et en Guadeloupe, on aime bien bouger, on aime bien se déplacer. Alors, pour parler des événements, bien entendu, je reçois un homme de la nuit, Eddy Alphonse. Comment allons-nous? Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour aux spectateurs. J'aime bien parce que tu... Le swag, petit chapeau, col en veste, chaussures assorties, franchement, ça c'est mon objectif. Alors bien sûr, on te connaît bien entendu sous le nom de DJ Eddy. Bien entendu, les plus anciens se rappellent de l'époque du 116, où on était tous. Alors est-ce que déjà tu peux nous parler de cette période où, franchement, qui nous rend nostalgique? Waouh, le 116, c'était quelque chose. C'est un lieu mythique, en fait. Hein. Donc, c'est le premier club en Guadeloupe où on avait du R&B à l'époque. C'est vrai. R&B, rap, la mode hip-hop, les premiers sons raga. Exactement. Et un peu de zouk hein, pour finir la soirée. Et c'était vraiment le lieu pour les jeunes qui étaient à l'époque à Fouillol. Et même un peu plus âgés. Et c'est vrai que maintenant qu'ils ont grandi, ils ont la quarantaine, la cinquantaine, on en parle encore. Ah oui, ça, franchement, ça a marqué toute une époque, le 116. Il a dit pour ceux qui étaient à Fouillol, mais ceux qui étaient à Bastet aussi. J'étais à Bastet aussi. Je vais monter au 116. Justement, qu'est-ce qui a changé dans le monde de la nuit entre justement cette période, on parle là, on est dans les années 90, et là, on arrive presque dans les années 2020, 2021, limite. Tu vois, moi, je suis déjà dans le futur. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la nuit en Guadeloupe? Ça fait déjà quasiment 20 ans. Hein. Eh ouais, ça passe vite. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, le format discothèque, pour le vivre un peu quotidiennement, c'est dépassé. Ouais. Oui, vraiment, hein, le format discothèque. C'est-à-dire le format discothèque où on est enfermé. Lieux fermés. D'accord. Aujourd'hui, il faut vraiment un lieu ouvert, okay. Un lieu hybride et qui ne propose pas que des soirées DJ, okay. Mais qui propose aussi effectivement des événements hybrides. D'accord. Un peu de tout, des mélanges. Voilà. Donc tu penses que c'est pour ça en fait qu'il n'y a plus autant de boîtes de nuit, justement, qu'à l'époque? C'est vrai, c'est vrai. On voit qu'il y a une prolifération de bar-lounge. Exactement. Dit. Mais c'est vrai que le format discothèque a tendance à disparaître. Voilà, donc c'est pour ça. Et est-ce que c'est pour ça, justement, que tu as décidé donc, d'investir dans un lieu qu'on connaît tous maintenant en Guadeloupe, l'appart? Disons que, étant dans la nuit depuis à peu près les années 95... Ouais. J'ai eu envie d'avoir mon lieu, okay. Et de proposer justement un lieu qui innove un peu. D'accord. Voilà. Donc mon créneau, ça n'a pas été la discothèque, ça a été plutôt le live. Donc tout de suite, dès l'inauguration, hein, c'était le 5 avril 2013. Tout à fait. Nous avons eu tout de suite un concert. On avait eu le groupe Soft, okay. En concert pour l'inauguration. Donc, ce qui a tout de suite placé l'appart comme un lieu où il y a du live, de la musique vivante. Et faire vivre le live. Et justement, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas... Les artistes, d'ailleurs, en parlent beaucoup. Ils reprochent souvent qu'il n'y ait pas de lieu pour faire du live. Ça aussi, ça t'a poussé à justement ouvrir un endroit, un lieu où il y aura du live? C'est-à-dire que j'ai pensé vouloir un lieu où on peut avoir des petits lives intimistes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des grandes salles où, comme actuellement une salle au Gosier, où on peut prendre 2 000, 3 000 personnes, 4 000 personnes, 5 000. Moi, j'ai voulu un petit lieu avec 300, 400 personnes où on peut être proche de l'artiste. OK. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que à la porte, il n'y a pas seulement du live, il y a aussi des shows. Mais avant de parler des shows, parlons des lives déjà. Quel live as-tu fait depuis 2013? Tu as reçu pas mal d'artistes. Depuis on 2013. Salue d'ailleurs Tempo qui, limite tous les vendredis, sont là et qui invite tous les artistes de la Caraïbe à jouer vraiment en live. On vous invite encore une fois. On reviendra un petit peu plus en détail, mais tu as quand même reçu pas mal de grands noms. Énormément d'artistes. Hein. Bon, pour Cassav, on avait reçu Jean-Philippe Martelly et Jean-Claude Nemro en duo. On a reçu Jocelyne Béouard avec Tempo, justement. Ouais. On a reçu des gens comme Éric Pédurant, Soft, comme je l'ai dit. On a reçu Jean-Luc Guanel plusieurs fois, Tony Chasseur.
la Dinotti, on a reçu. Je sais qu'on le verra un peu plus tard. On a reçu Omar. Ouais, Jean-Michel Rotin, Lissi Naïs, Ridla, Dominique Coco, plusieurs fois. Enfin, pléthore d'artistes. Eh oui, tout ça, ça se passait en Guadeloupe. Eh oui, je vous ai dit, il faut rester connecté, c'est important. Et justement, comment tu as vécu, je dirais, l'évolution de 2013 à aujourd'hui? Est-ce que le public guadeloupéen est sorti tout de suite pour voir ces artistes en live? Ou est-ce qu'il il a fallu un petit moment d'adaptation, justement, pour qu'ils puissent revenir, justement, pour qu'ils puissent reprendre goût à la sortie et bien sûr au live de ces artistes? Alors, au début, ça a tout de suite bien démarré parce que ça répondait apparemment à une demande. Ouais. Puisque on a à ce niveau, au niveau de la musique en live, je crois qu'on a 15 à 20 ans de retard sur la Martinique. OK. Parce qu'en Martinique, c'est vraiment quelque chose d'institutionnel. Les gens ont toujours soutenu le live. En Guadeloupe, ça a été plus le playback. Ouais. Hein, on allait voir des artistes en playback en discothèque, justement. Et ça correspondait effectivement à une demande, à quelque chose de normal. On était très en retard à ce niveau-là. Il y a eu un lieu comme la Casa qui a vraiment, avant l'appart, commencé à institutionnaliser le live. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a continué le travail à la suite, mais dans un format de salle beaucoup plus petite. Ouais. Et où, effectivement, depuis 7 ans, bientôt 7 ans maintenant, on continue à faire vivre le live. Mais est-ce que, justement, quand la salle est un petit peu plus petite, effectivement, est-ce que ça ne te donne pas envie de viser quelque chose de plus grand, sachant que c'est souvent backfull, c'est souvent sold out, que ça vous est déjà arrivé de refuser des gens pour le live? Est-ce que ça te donne envie de voir plus grand ou justement de rester à ce format-là? Non, je crois que c'est un format qui est bon. D'accord. Parce que c'est difficile de remplir des grandes salles. Malgré tout, parfois, hein, même si on est une petite salle, parfois, on est à moitié rempli. Hein. Okay. Ou alors, tu peux te retrouver avec 100 personnes pour un concert. Okay. Donc, pourquoi aller chercher plus grand alors que bon, alors, voilà. C'est pas toujours évident de remplir une salle de 400 places. Alors, comme je le disais tout à l'heure, justement, juste avant d'attaquer la partie live, tu ne fais pas que de la musique aussi. Ça t'arrive aussi de basculer dans la comédie et dans les one-man shows. Oui, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le carême, c'est une période qui n'est pas très propice à la musique. À l'amusement, trop... À la bamboche, comme on dit. Donc, on a proposé l'appart en théâtre. OK. Ça veut dire que c'est Joël Gernidier qui s'occupait de la programmation. Ouais. Et tous les vendredis, on avait une pièce. D'accord. Pendant toute la durée du carême. On fait aussi du stand-up comédie. OK. Oui, on fait du slam. Ça démontre aussi que l'appart est un lieu où effectivement on fait vivre la culture. Ouais, et c'est important ça, vivre la culture, notre culture. Justement, là, on arrive en période de fête, c'est la période justement de décembre. Alors, est-ce que l'appart a un petit programme spécial pour nous? Alors, en fait, on a intégré une nouveauté très récemment. Il y a 3 semaines, on a inauguré le T-Club Apart. Okay. Alors c'est une pièce, hein, une plus petite pièce, où on a une salle de 45 à 50 places. Okay. Voilà, là c'est vraiment encore plus intimiste. Donc c'est vraiment la petite scène où on peut développer des choses comme le slam, justement, le stand-up comedy, l'humour, ouais. Et aussi la musique en live avec des duos, des trios, ou... Même en solo, ouais. Donc, par exemple, le 11 décembre, on accueille Victor Roux. D'accord. Qui sera en guitare-voix, tout simplement. Là. Alors là, tu as intéressé tous les téléspectateurs. Victor Roux, le 11 décembre, à la porte, ne loupez pas ça. Et le 10, hein, la veille, on aura un stand-up comédie. OK. Slam et humour, donc il y en a pour tous les styles. Hein, est-ce que le slam, justement, est-ce que l'humour, le stand-up, est bien j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de one-man show, justement de jeunes qui arrivent et qui veulent un petit peu suivre les traces, de Jamel ou des trucs comme ça. Est-ce que ça s'est développé ici? Ça se développe bien parce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le côté humour, slam et comédie. Voilà. Et la scène du mardi, c'est justement une scène ouverte pour permettre à ces jeunes de s'exprimer et pour permettre à un public justement de les découvrir autrement que par les réseaux sociaux. Donc ça sera tous les mardis ?
tous les mardis. Et comment ça se passe? Un jeune, par exemple, qui n'est pas inscrit et qui regarde actuellement l'émission, est-ce qu'il peut rentrer en contact avec l'appart? Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone, il m'appelle, il m'envoie une démo, par exemple. Ouais. On voit quand même un peu ce qu'il fait. Et ensuite, il y a tout à fait possibilité de, qu'il passe, de se faire découvrir. Donc, travaillez bien vos sketchs, travaillez bien... On bosse dur, hein, pour justement, parce que l'appart, franchement, ça ramène du monde. Et après, on va vous donner tous les contacts, numéro de téléphone, adresse sur les réseaux sociaux. À la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la scène du mardi, c'est un open mic. Ça veut dire que le public peut participer. D'accord. Avec un jeune qui a envie, justement, ben, il vient le mardi et il peut monter sur scène, c'est ouvert. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h, c'est excellent. Il y a tellement de choses. Donc le mardi, open mic, si jamais vous voulez vous produire sur scène, et oui, faire vos premiers pas, on ne sait jamais. Le 11, Victoro, guitare, voix, c'est pour vous. Et le 13, parce qu'on n'a pas parlé du 13, bien entendu, il y a un concept de Sakio. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors Sakio, c'est un groupe mythique des années 90. Mmh. Alors, à savoir, on retrouve Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon au chant, Michel Alibo à la basse, Jean-Philippe Fanfan à la batterie, qui est un des plus grands batteurs au monde maintenant, Monsieur Mario Canonge, qui est un virtuose au piano. Et ils avaient justement sorti deux albums à l'époque qui avaient fait grand bruit, puisque c'était vraiment une couleur particulière dans le zouk. Et avec des morceaux comme Bisous Sucrés, on se souvient, je ne vais pas tous les citer. Et ils se sont réunis pour trois concerts. Donc ils font un concert à Paris, un concert en Martinique et le concert en Guadeloupe, ça sera à l'appart le 13 décembre. Donc c'est exceptionnel, ils seront 12 sur scène. 12 sur scène. Oui, c'est excellent. Et vous avez entendu les noms de Tony Chasseur à Mario Canonge. Ça, vous ne pouvez pas rater ça. C'est pas possible. Immanquable. C'est très, très rare. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus sur scène. Et ils ont décidé de se réunir pour l'occasion. OK. J'ai eu l'occasion d'entendre les répétitions. Ça va déménager. Ça va déménager. Si lui, DJ, vous dit que ça va déménager, les amis, préparez vos voix, commencez à prendre du miel tous les soirs, histoire de bien pouvoir chanter, faire les chœurs et faire les playbacks. Est-ce qu'il y a d'autres encore rendez-vous à l'appart pour la fin du mois de novembre, de décembre? C'est novembre. Exactement. Ouais. Ben, fini à l'appart. Nous avons aussi quelques soirées, hein, des soirées à thème. Justement, le 14, on a une soirée Génération Cassave. Hein. D'accord. Donc, si vous sortez du concert, n'allez pas trop loin, restez dans les parages. Restez sur Bemao et vous allez pouvoir prendre des bonnes sessions Cassave. Et nous avons aussi en concert Lorenz, le 27 décembre. Et tous les mardis et tous les mercredis, nous proposons des artistes. Le mercredi, c'est plus une scène jazz, soul and world music. OK. Donc, on aura, par exemple, notre ami Daniel Nlandu, qui sera sur scène avec son groupe Larsen. OK. Nous aurons Majad le 19, avec un petit trio. Et on finit l'année en beauté avec la grosse soirée TNT, le 28 décembre. Là, ça va être... en soirée full moon, comme on dit. Là, c'est complet. Moi, je vous conseille d'aller acheter un matelas, de camper devant la porte, de faire vos vacances carrément là-bas. Je pense que ça sera plus simple. Si vous voulez savoir le programme, de toute façon, vous avez vu que les petites affiches sont à l'écran. Dès que vous voyez marqué T-Club, vous notez, hop là, direction la porte. Justement, toi qui es DJ depuis très longtemps, que tu es encore dans le monde de la nuit, du live, comment vois-tu l'évolution de notre musique, du zouk? Le zouk évolue, c'est vrai. Aujourd'hui, on retrouve plutôt des productions maison, je trouve. Hein. C'est-à-dire que les artistes actuellement peuvent composer sur leur ordinateur. Donc, ça dénote un peu la disparition des vrais musiciens. Je trouve que c'est un peu dommage. Il y a une perte de richesse, une perte de musicalité. Et les musiciens ont quelque part délaissé le zouk, puisque ça ne rapporte plus. Ouais. Il y a une logique commerciale. Maintenant, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas jeté. On a de jeunes artistes comme Lissinaïs Jean, par exemple. Voilà. Des gens comme Wervana, Ridla qui fait le travail. Même on croit qu'il est jeune, mais ça fait longtemps qu'il est là. Très longtemps. Et Yannouk Ren. Et compagnie. Donc,
On a de jeunes artistes qui continuent à produire de la super musique, ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à regretter le zouk des années 80-90, puisque c'était beaucoup plus riche en musicalité. Ouais. Là où je m'interroge, c'est pourquoi une musique comme la salsa a évolué, mais quand on entend une salsa des années 70-80 et une salsa actuelle, on a toujours l'impression d'entendre la même musique. Ouais. Et le zouk d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout au zouk d'antan. C'est un peu dommage. Je pense que certains artistes devraient réécouter justement des anciens morceaux, venir voir des concerts de Sakyo et s'inspirer justement de cette musique-là pour qu'on retrouve un peu cette richesse. Il n'y a plus de cuivre dans le zouk. C'est dommage. Ouais. Voilà. Et au point de vue DJ, est-ce que tu penses que nos DJ ont évolué ou régressé? Ah non, sans viser personne, bien entendu. Moi, je suis DJ, je serai le dernier à dire que les DJ ont régressé. Les DJ sont différents, ouais. Tout simplement. Il faut accepter de vivre avec son temps, tout simplement, et se dire que, en fait, rien pas bon. Non, c'est faux, ou bien avant, c'était meilleur. Non, ouais. Il ne faut pas qu'on se dise ça. Les DJ ont pris une voix aujourd'hui. C'est vrai que la musique qui est diffusée dans les soirées est beaucoup plus internationale. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on fait, on oublie ce qui est de chez nous. C'est-à-dire que tu vas dans une soirée aujourd'hui, ben le zouk, c'est à la fin, quoi. Pour faire les gens partir. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Je pense qu'il y a une place pour ce que nous, on produit, pour le côté local. Parce que quand je vais à l'étranger ou dans les îles aux alentours, ben ils mettent d'abord leur musique. Tout à fait. Et ensuite, ils mettent un peu d'international. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on fait le contraire. Ah, belle parole. Maintenant, si on veut te suivre, si on veut connaître le planning de l'appart, si on veut te contacter, je pense, au cas où on veut participer au Mic Open du mardi, est-ce que tu as un numéro de téléphone, une page Facebook, une page Instagram? Vas-y, dis-nous. Alors, tout. Alors, le numéro de téléphone, c'est 06 90 73 51 83. L'appart a un Facebook, donc c'est l'appart 971 Club and Food. Et Instagram, bien sûr, c'est l'appart 971. All right, si vous a tout dit, n'hésitez pas à suivre, à liker, à appeler si vous voulez participer, bien entendu, au Mic Open du mardi. Merci d'être passé sur le plateau de la TV Service. Si tu avais un dernier mot pour les téléspectateurs qui te regardent, ta caméra est juste là, vas-y. Je vais souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année aux téléspectateurs et leur dire de continuer à faire vivre le live. C'est très important. Notre musique, aujourd'hui, se développe en live. Oh là là, quel mot de fin extraordinaire. Merci encore une fois. Longue vie à toi et à l'appart. Rendez-vous toute la semaine prochaine et jusqu'à la fin du mois de décembre, bien entendu, puisqu'on vous rappelle, hein, bien entendu, il y a une soirée spéciale Kassav. Le 13, il y a Sakyo. Le 11, il y a Victoro. Le 27, il y a Lorenz. Le 28, il y a TNT. J'ai juste un mot pour finir pour Vas-y. Le groupe Tempo, qui fait un super travail pour entendu. Le live et qui passe une fois par mois. Donc, ils ont un mensuel à l'appart. Et l'anniversaire du groupe Tempo, ça va être le 11 janvier. Souvenez-vous de cette date parce qu'il y aura des invités prestigieux. Ah, très important. Et on salue vraiment le travail de Tempo qui a mis vraiment, vraiment, vraiment... Franchement, ils font un travail extraordinaire. Ils vous donnent du live, ils jouent sans cesse. Ils n'arrêtent pas de promotionner notre culture. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, pour le 11, j'attends Jérôme. Je t'attends là. Tu vas revenir, je t'attends là. Eddy Alphonse, merci d'être passé. À très vite. Quant à nous, je vous dis aussi à très vite, bien entendu, pour un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.